Et salutations Polia. Salut Polia. Salut. J'avais Je pense que vous vous connaissez avec Sklang, donc du coup, oui, on se connaît plutôt bien. escadre guerre froide francophone. J'allais dire pourquoi avoir fait ça, non mais ça on sait, parce que les gens aiment le Cold War. Comment ça se passe sur ce serveur, les règles, les modules utilisés, l'ambiance, les limitations, un peu de tout ça. Oui. Alors déjà, le GFF, oui, guerre froide, mais c'est parti d'un constat, c'est que il y a des groupes hardcore modernes, il y a des groupes hardcore aussi simmer Seconde Guerre mondiale sur DCS ou sur IL2 ou d'autres, mais rien sur, il y avait rien sur la guerre froide. Or, dans, je pense, dans 2 ans, au moins les 2/3, voire les 3/4 des modules sur DCS seront sur cette période. En particulier quand on voit tous les modules qui sont prévus et tous ceux qu'on a déjà. Et donc le but, c'est de proposer un groupe spécialisé guerre froide, mais de façon réaliste. C'est-à-dire pas juste on prend l'avion, ouais c'est un avion guerre froide, on l'utilise rapidement et tout. Non, ce qu'on veut faire, c'est un peu comme la JTFF qu'a eu un peu plus tôt. C'est quelque chose de similaire, mais sur le thème de la guerre froide. C'est-à-dire qu'on a nos escadrons, parce qu'on a aussi des escadrons. On a un escadron de Mirage F1, escadron de MiG-21, F-14, Vigan, deux escadrons d'hélicoptères, F-5, et tous appliquent des doctrines d'emploi, des tactiques d'emploi calquées sur le réel. Alors ce qui est pratique en plus avec cette période de guerre froide, c'est que la documentation est très ouverte. On peut avoir plein de choses que dans le moderne, on n'a pas. Et par exemple, je prends le cas du 27e régiment, donc sur MiG-21, on va appliquer les techniques et les tactiques soviétiques. Donc la doctrine soviétique, on va pas voler comme des Américains sur MiG-21. Et notre escadron de Mirage F1, donc ceux qui le dirigent et tout, ont aussi développé une façon de voler à la française des années 80. En plus, ils sont dirigés par des anciens de l'armée de l'air de cette époque, donc ça tombe bien, avec une documentation plutôt très précise. Donc c'est là notre but. Et ensuite, en second, voler PVP. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des missions réalistes et PVP. Ça fait 15-20 ans que je fais de la simu, et j'ai commencé le multijoueur avec IL2-46, et l'époque d'hyperlobby, des gros groupes, des escadrons Royal Air Force, des escadrons Allemagne qui se rencontraient, qui faisaient des coops réalistes, et on faisait des affrontements et tout. Et ça me manquait. Et je voulais faire vraiment un groupe qui soit sur la guerre froide, mais aussi sur le PVP, mais de façon réaliste. C'est-à-dire pas un serveur public, pas juste des agresseurs. Il n'y a pas d'agresseurs chez nous. C'est-à-dire qu'il y a des rouges, il y a des bleus. Mais ce sont des escadrons à part entière, c'est qui vont s'affronter avec des objectifs précis et de façon similaire, réaliste, des deux côtés. Donc c'est ça la vision. Donc on a un serveur aussi qui est privé, et qui le restera. On a parlé de faire une journée porte ouverte de temps en temps sur le serveur, mais c'est à l'heure actuelle il restera privé, parce que dessus on va développer des techniques et des tactiques de groupe. Donc voilà à peu près dans les grandes lignes. Spécialisé dans la période de la guerre froide, surtout les années 70-80. Quand tu dis qu'il y a des escadrons, je ne sais plus parler français à cette heure-là, des escadrons sur le GFF, qui sont-elles, enfin, qu'elles sont, je ne sais plus parler français, c'est grave. Bref, il y a des escadrons, de qui sont composés ces escadrons, et comment les rejoindre, c'est quoi le recrutement, c'est quel type de profil rechercher, pour ensuite pouvoir avoir accès à ce serveur, comment on fait? Alors, faut faire une demande dans la partie recrutement du Discord. À l'heure actuelle, on a juste un Discord, mais grâce à notre ami Sklang, il y a un site internet qui arrive avec un forum et on a déjà un serveur. Donc, pour postuler, il suffit de rejoindre le Discord et de demander. Donc, faut choisir son escadron selon l'avion sur lequel on veut voler. Et ensuite, il n'y a pas de niveau minimum. On assure toute la formation. Par contre, y a une certaine envie, c'est-à-dire qu'il faut déjà vouloir voler de façon cadrée et de façon réaliste.
D'une part, donc ça comprend beaucoup d'entraînement, des procédures de vol particulières, et voilà. Mais tout le monde peut rentrer. Par contre, on Ah, mais choisit, d'autres groupes francophones, faut choisir un appareil de prédilection. Yep, t'as parlé de journée porte ouverte, comme pour les concessionnaires. J'ai retrouvé mon français. Ce serait pour quand? Est-ce qu'il y a une date approximative Non, ou quelque chose? non, non, ça a juste commencé. On en a juste parlé rapidement avec le propriétaire de notre serveur. Ce qu'on n'ouvrirait pas, on n'enlèverait pas le mot de passe du serveur GFF le week-end, parce que le week-end de GFF, on vole de façon un peu plus tranquille. En fait, nos coops, nos entraînements et nos comao ont surtout lieu la semaine. Donc on s'était dit, bon, pourquoi on n'ouvrirait pas le serveur de le GFF si les gens veulent. Aller voler sur notre serveur le week-end, quoi. Langue, tu veux ajouter un petit mot, t'as le droit quand même, c'est bon, on est entre nous là, sur le GFF. Bah écoute, là, vu que c'est le grand chef, il a tellement bien parlé que rajouter un commentaire serait l'insulter, mais. J'essaye de gagner des grades. Mais non, non, je pense qu'il a très bien résumé l'esprit de l'EGFF, quoi. C'est-à-dire qu'on va s'investir sur une machine, même si c'est des appareils de la guerre froide, un peu anciens, qui n'ont pas toute la technologie que tu vas retrouver sur des appareils modernes, et qui sont plus faciles à appréhender quand tu vas commencer à l'apprendre. Ils vont être plus compliqués dans leur mise en œuvre pour être efficaces. Et c'est là où ça va demander de l'entraînement et de l'investissement personnel, notamment lorsqu'on va commencer à mettre en place l'ensemble des procédures et des tactiques pour pouvoir réaliser convenablement nos missions, notamment en groupe et de manière conjointe. C'est là où se déploie vraiment tout le potentiel de l'EGFF. D'ailleurs, c'est à l'heure actuelle, c'est quand même une grosse réussite parce que ça, on a commencé, le groupe a été créé en septembre et aujourd'hui, on n'est pas loin de 50, une cinquantaine de pilotes, voire un peu plus, en 4 mois, ce qui est. C'est ça, parce que le groupe est tout jeune, c'est pour ça que le site web est pas encore en ligne. Alors, suite à des tribulations de mon côté, mais voilà, le groupe est jeune, on se construit, on se développe petit à petit, on fait les choses de manière artisanale, quoi, en essayant d'aller dans le bon sens, il me semble. Ouais, puis on a réussi à faire déjà quelques comao à près de 40, une quarantaine de pilotes sur le serveur, sur des gros combats PVP. On en a une comao il n'y a pas si longtemps aussi, avec aux prises de combat aérien entre MiG-21, Mirage F1, F-14, A4, à plus qui a donné plus d'une trentaine, entre 20 et 30 pilotes s'affrontant et tout, de façon cadrée. La preuve, c'est que les combats qui s'y passe, c'est pas juste. Ça s'est terminé avec uniquement deux victoires. Je dirais pas quelqu'un a battu, mais c'est terminé uniquement parce que les gens volent de façon cadrée et réaliste. Et du coup, ça se termine pas en pam pam boum boum. Ça fait vraiment. T'as vraiment des manœuvres de combat et même les manœuvres de combat n'existent pas que en BVR. T'as vraiment des manœuvres de combat aussi à l'époque de la guerre froide au Fox 2. Où ça se termine pas forcément avec la destruction de l'autre, parce que ça se cherche, c'est un jeu de chat et la souris, aussi bien à basse altitude qu'à haute altitude, et le résultat est plutôt convaincant à l'heure actuelle. Au thème de l'émission, là, les mises à jour 2022, est-ce qu'il y en a eu côté Cold War de notable là où est-ce que tu as ressenti des différences ou est-ce qu'il y a eu des mises à jour? Je suis pas du tout la Cold War honte à moi, j'ai le F-14, je l'ai laissé de côté parce qu'il est trop dur pour mon petit niveau pour le moment. Je ne me suis pas encore investi dedans. Et j'ai une bonne excuse, je tourne à 30 FPS dedans, ça n'aide pas non plus. Donc ouais, est-ce que t'as noté des mises à jour intéressantes cette année? Est-ce que tu attends quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose d'attendu, toi qui dois suivre ce Ah côté-là? bah, pour le coup, il y a plein de trucs. Cette année, on était très gâtés en annonces, aussi en sortie. À la sortie du Mirage F1, c'est mine de rien une des raisons pour lesquelles j'ai décidé. Ça faisait quelques temps que j'avais l'idée de l'EGFF, mais c'est la sortie du Mirage F1 qui a poussé. Là, le Mirage F1, il va intéresser du monde. Les gens vont vouloir le voler de façon réaliste dans son environnement. C'est-à-dire qu'à l'EGFF, le Mirage F1 est le chasseur principal. Des bleus, par exemple, en interception, ce qui serait impossible dans un escadron moderne.
Donc c'est ce qui a poussé vraiment. Donc on a eu la sortie du Mirage F1, de première chose, et après toutes les annonces. Le F4 Phantom qui va sortir d'ici peu, qui sera directement intégré à l'EGFF. Il y a en annonce, bon, il y en a eu plusieurs, il y a eu Skyrider, qu'est-ce que L'A7, je le veux dire? corsaire. Il y a cette Corsair, le F8, le MiG-23 qui vont arriver. ça, j'en oublie sûrement. Tout un paquet, le G91. Enfin, pour le coup, des modules qui ont été annoncés niveau Cold War, ouais, il y en a Map, quelques-uns. vous évoluez sur quelle map? Sur le GFF, pour le coup? L'heure actuelle, Caucase et Syrie. Alors, Caucase, bon, parce que bah, c'est Caucase. Et la Syrie, alors on évite de trop s'éparpiller en map parce que bah, ça coûte cher. Et comme ça, on s'est dit, on a deux maps. Et la Syrie, c'est celle qui propose à l'heure actuelle le plus de possibilités, aussi bien historiques sur l'utilisation de nos modules et géopolitiques. Donc, avec les conflits qu'il y a eu dans les années 70-80 sur cette map, et les nombreux intervenants. Donc, on a des pays connotés bleus, on va dire, comme la Turquie qui fait partie de l'OTAN, la Syrie qui va être plutôt avec du matos russe, le Liban, l'Israël et tout. Donc, c'est à l'heure actuelle, notre map principale, c'est la Syrie. Et sinon, map à venir, bon, on attend beaucoup Kola, mine de rien, parce que. Bah pour ce que la guerre froide, c'est parfait. Parce que là, on aurait la Finlande, la Suède, l'Union soviétique qui pourraient être représentées sur cette map. Et à savoir qu'à l'EGFF, on fait pas que. On est très friand aussi des scénarios, justement, guerre froide, guerre non ouverte, où on en a fait pas mal avec des VID, des sous-tensions et tout. J'abrège un peu violemment, mais De soucis. apparemment Kerboul est rattrapé par le dieu argent. Hein. Il y aurait une pub obligatoire sur Twitch, donc de toute façon, on a fait le tour. Ouais, c'est bon, ok. À moins que tu aies un truc à ajouter, et je vois que pour rejoindre le Discord, bah, du coup, c'est un peu privé, ou comment on fait pour le rejoindre? Ce Ah non, Discord, si on est le intéressé. Discord n'est pas privé, hein. Sauf si t'as envoyé le lien. Le Ouais, rejoindre, c'est hein. ça. Ouais, sur le chat, si tu peux le mettre directement, si ça vous Tech. intéresse. Ouais, Ouais. voilà. Le Discord n'est pas privé, et puis j'invite tout le monde, tous ceux qui veulent, à Ouais, jeter mais un un coup coup de main, d'œil j'ai pensé. Juste et un ceux coup de main. que ça pourrait intéresser, justement, à postuler. Hein. Voilà. Faut faire partie de l'EGFF pour voler sur notre serveur, par contre. Ou pour participer à nos missions ou nos campagnes. Ça marche. Quelqu'un a quelque chose à ajouter sur la Cold War? C'est bon? Pour moi, c'est bon. Ça Venez nous marche. rejoindre en MiG-21. Du coup, bah merci Polia d'avoir accepté l'invitation, d'avoir parlé de tout ça. La Cold War est couverte, c'est bon, c'est fait, check. Merci à vous. Pas de soucis.